La personne, elle a un peu, la personne a regardé sur... Il n'y a pas de rendez-vous prévu pour hier. Il y a une autre permanence le 25, si je ne me trompe pas, où je ne suis pas inscrite non plus. Il y avait d'autres permanences avant où j'étais pas inscrite non plus. Puis mois de janvier, tu me fais croire que tu as des rendez-vous, que ça n'a pas marché, que tu n'as pas eu, là, il n'y avait personne, comme par hasard. Puis j'ai appelé la veille. Ben, je suis allée à celle... On a appelé ensemble. Oui, lundi soir. J'y suis allée. C'est vraiment pas sérieux, Isaline. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu me montes des bateaux. Honnêtement, hein. Honnêtement, hein. Ça peut plus aller comme ça. Nous, on vous fait confiance et puis voilà, quoi. Non, non, c'est pas possible, ça. Moi, je suis pas votre mère, hein, pour vous mettre des coups de pied dans le derrière. Hein. Mmh. Ah, ce qui vous pend au nez, c'est qu'au mois d'août, vous allez vous retrouver à la case zéro. C'est pas ce que vous avez voulu, hein, ni l'un ni l'autre, je pense. Hein. On n'a pas fait tout ce travail-là en amont pour que vous retrouviez, au mois d'août, encore SDF. Et puis moi, j'ai pas envie que tu restes dans nos logements d'insertion et au RMI toute ta vie. Bon, c'est vrai qu'à la limite, là, c'est mon ambition, c'est pas la tienne. Peut-être que toi, ton ambition à toi, c'est de rester au RMI toute ta vie. Hein. C'est vrai que c'est plus facile, hein. À ce moment-là, il y a les assistantes sociales, les services sociaux, tout le monde qui est là pour vous assister. Hein. Peut-être ça, le mieux pour vous, hein, pour toi et Manu. Hein. Pas de souci à vous faire, un tuteur qui gère votre argent, pourquoi pas. Donc là, c'est vrai que c'est mon ambition à moi, c'est pas la tienne, alors va falloir que tu te motives un peu. Ah, honnêtement, les médecins nous ont dit que c'était fini, là. Ah ben... Les médecins nous l'ont dit, Madame Farandou. Ils vous l'ont dit ? Ah, ouais. Ah, ouais. Ah oui, je sais bien que je suis cuite. C'est pour ça que moi, quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit que je suis sortie de l'hôpital. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Incroyable. Ils ont dit c'est une survivante. Ouais, ouais. Ils m'ont dit c'est ça, je les crois, hein, je crois. Ouais. Même là, hein, même là. Hein. Ah là, moi, disons que j'en peux plus, là. Là, je m'en doute, vous devez être fatiguée, ouais. Alors, il faut encore vous accrocher un petit peu. Ouais. Elle n'a plus rien, elle n'a plus que ses yeux, grands yeux, des yeux qui paraissent immenses, démesurés dans le visage, tellement elle est maigre. Et elle, à un moment, elle a relevé sa manche comme ça. Son bras, ce n'est que l'os. Il y a de la peau dessus, mais c'est tout, quoi. La peau, c'est un revêtement. C'est vraiment... Puis alors, elle a ce tuyau là qui part de chaque narine, en permanence branché, et puis qui court dans toute la maison, quoi, et puis qui est relié aux bonbonnes dans le salon. Donc quand elle parle, t'as tout le temps l'impression qu'elle a... Alors ça, elle me dit... Voilà, elle me dit, moi quand je parle, j'ai l'impression d'avoir la tête dans un sac en plastique. Et Michael, il est... Bon, il paraît détendu quand même, mais on sent qu'il a du mal à supporter la présence de sa mère malade quand même. Il est bien embêté. Donc, comment elle va là, ta maman? Ça va bien, ça ouais. Se maintient ou sans lui? Comme d'habitude. Ouais. Elle a pas changé, elle change pas. Elle mange un peu mieux, mais bon. Elle mange un peu mieux, ouais. Donc elle reprend un peu des forces. Ouais, un peu, un tout petit peu. Ouais. En fait, ça la rassure peut-être de savoir qu'on met des choses en place pour toi. Ouais, je pense. Ouais. Ça doit la rassurer, ouais. Ça lui donne envie de s'accrocher encore plus. Non, peut-être pas envie de s'accrocher plus, mais elle dormira mieux, quoi. Ça lui permet de mieux dormir, quoi. C'est vrai à ce point-là? Bah, je pense, ouais. Ça cause moins de soucis, donc. Ouais. Donc, à mon avis, elle a moins peur. Le problème des obsèques est réglé. Bon, bah, donc, ça sera fait comme ta maman le désire, sans fleurs ni couronne, sans église, sans tout ça. Bon, c'est elle qui le veut comme ça. Ouais. Faut respecter sa volonté. Mais tu sais que ça risque d'être dur quand même de te retrouver dans un appartement où tu as vécu avec ta maman, il y aura des souvenirs. Non. Pour moi, non, c'est sûr. C'est sûr que non. Ça peut pas m'atteindre plus psychologiquement que le décès de mon père. Parce que bon, ça fait longtemps que j'y suis préparé avec maman, donc... Ouais. Ça sera même plus une surprise, quoi. Ça sera... On s'y attend, quoi. Que papa, je m'y attendais pas, et ça arrive en une semaine, quoi. Ça pourra pas être pire que papa, quoi. Sur le fait que... de s'y préparer, quoi. Mmh. Et c'est prévu, donc... C'est la vie, hein. Quand il y a quelque chose qui est prévu, bah... On fait avec, hein. Somebody help me.
to help myself. I'm not doing too bad, baby. Alors, vous allez cumuler donc dans un premier temps votre RMI de 1200 francs, oui. Plus les 3100 francs de CES. Voilà. Donc ça, en juin, assurément, vous aurez les deux. D'accord. J'aurai toujours le bénéfice de la sécurité sociale tout, à 100%. Tout pareil. Et l'affaire a été réglée, là, au niveau TNT, au niveau là, du au niveau TNT, c'est pratiquement réglé. Maintenant, c'est une question de jours, voilà. Mais ça fait quand même, ça a duré 3 ans et demi, cette histoire-là. Vous aviez le droit de travailler pour d'autres entreprises vous ne deviez travailler que pour eux. Écoutez, c'est simple. J'avais tellement d'investissement au niveau d'achat de camions, oui, parce qu'ils voulaient des camions neufs avec fallait une image de marque et tout. Les chauffeurs, ils avaient une tenue, la tenue TNT et tout. Je vous dis, c'était la folie. Et puis quand il y a eu la rupture abusive du contrat, sous 8 jours, hein, comme ça, tac, tac. Et quand vous avez, je vous dis, 40 ou 50 000 francs par mois à payer et qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Vous allez être dédommagé quand? Courant mai, là, fin mai. 1,2 million, c'est ça? Ça a changé, hein. Ça a monte changé. Presque à 2 millions de francs. Hein. Ah, quand même? Ouais. Donc, s'il y a une bonne nouvelle, vous m'avez déjà, c'est une bonne nouvelle. Je touche du bois, croyez-moi. Hein. Bon, un RMiste, comme on dit, un RMiste qui va gagner une telle somme, bah, je suis content. Je vous dis, je suis content. Mm. Parce qu'il faut voir tous les déboires que j'ai eus pour avoir ça au jour d'aujourd'hui. Voilà. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est s'il arrive quelque chose à Madame demain, que devient Michael? C'est un enfant qui a d'excellents résultats scolaires. D'ailleurs, c'est dommage, je ne vous ai pas apporté ses feuilles de notes, mais je vous les ferai parvenir. Mmh. Alors, on a rencontré donc Monsieur Hamel du Rotary. Mmh. On a également rencontré Henri Lamblet et son épouse, qui, eux, à titre de bénévole, pourraient aider Michael, si vous voulez. Ce sont eux qui feront la gestion de cet argent qui sera mis à disposition de Michael. Mais qui viendra d'où? Alors, c'est là où on vous sollicite. Est-ce que vous accepteriez d'aider Michael pour qu'on puisse l'aider à survivre au moins un an si ça arrive demain? Bon, disons que moi, personnellement, je ne peux pas prendre de décision. Je suis gouverneur de l'association, c'est évident. Mais je n'ai pas de possibilité de gérer les finances du club. C'est évident qu'on se penche tout ce qui est humanitaire, c'est comme covicidose, en fait, tout ce genre de choses. Il est évident, quand on a quelque chose à notre porte, on essaie aussi de faire un geste. En principe, je pense que c'est attachant, en plus. Oui. Mais de toute façon, la mairie ne fait rien. Moi, je suis quand même surprise que dans ces cas-là. Si, bien sûr. Alors on va pourvoir aux obsèques. C'est évident. Écoutez, pensez à autre chose, pensez aux obsèques. Pensez à ces gens qui sont vivants. Oui, je sais bien. Les obsèques, ça va être le premier maillon déjà de la vie. Tout seul de Michael. Ensuite, je pense qu'effectivement, on fera une allocation, oui, peut-être, voilà, qui sera donnée tous les mois. Oui, moi, je vais quand même être là aussi beaucoup en soutien derrière, psychologique, amical. C'est vrai que l'environnement n'est pas très, très aimable au sens propre du mot en général. Mmh. Donc, arriver à se défendre tout seul quand on n'a aucun moyen, c'est difficile. On essaiera de l'aider. Oui, d'accord, merci beaucoup. On va pas vous retenir plus longtemps. Merci, bonne journée. On va étudier tout ce petit dossier. Oui, c'est sûr que c'est l'association. C'est l'association 1900. Association 1901, oui. Ouais, avec, on ne sait pas dire qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. Absolument. On est surveillés, on a des comptes à rendre. Mais bon, mais c'est... Bonjour Madame Izoki, vous allez bien? Et vous, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va. Je devrais bientôt avoir mon argent, là, normalement vendredi ou début de semaine prochaine. Ah bon? Bah ça y est, c'est fait? Ouais, c'est fait ce matin. Mon avocat m'appelait à 22h hier soir pour que je vienne signer les papiers comme quoi ils peuvent récupérer les chèques à notre nom, mais qu'eux, ils peuvent les prendre. Ouais, voilà. Et alors? La somme est de? C'est un billet de 2 millions, hein, mais au centime près, je ne vais pas vous dire encore. Ouais, punaise, vous allez en payer un double de magnum, là. Ah ouais, hein? C'est peu que de le dire, oui. Je ne suis pas d'accord pour qu'on le garde en CES avec 2 millions de francs sur son compte, mais bon... Bah, il a des droits ouverts, hein. De toute façon, ces droits-là... Je trouve que les CES, c'est peut-être réservé pour des gens qui n'ont vraiment pas d'argent. D'accord.
D'accord. Bon, alors c'est vrai que je pensais là pendant que tu étais au téléphone qu'effectivement, peut-être que nous aussi, on en est de l'égalité à partir du moment où on sait qu'il a 2 millions sur son compte. Maintenant, on n'est pas obligé de savoir qu'il a 2 millions sur son compte. Mais on le sait. Je veux dire, moi, j'ai rien contre lui, mais je trouve anormal que ça va complètement à l'encontre du alors, social. Il est vrai que je pense qu'au bout de quelques jours, il va s'en rendre compte que c'est lourd quand même, avec 2 millions de francs sur ton compte, de te lever tous les matins à 7h ou 6h30 pour venir bosser pour 8h, mettre un bleu, faire des poubelles, ramasser les crottes de chien avec le ramasse-crotte. C'est pas spécialement... Je sais pas, un emploi à la ville, c'est quand même aussi pour des gens qui ont besoin de se réinsérer. Il a quand même besoin de se réinsérer professionnellement. Et là, avec l'argent qu'il a sur son compte, à mon avis, il peut faire des formations. C'est pas à la mairie de payer des formations à quelqu'un qui a 2 millions sur son compte. À mon avis, il n'y a rien dans les textes qui disent qu'on a le droit d'annuler un CES pour une personne qui a cet argent-là. C'est à toi de juger et de prendre ta décision. Hein. Moi, je ne supporte plus. Je ne pense pas qu'on puisse faire du social si on n'a pas cette espèce de vocation à vouloir aider les autres. C'est une excellente exécutante, c'est une excellente secrétaire. Je sais qu'elle est très très attirée par tout ce qui touche à la compta, donc moi ce que j'ai demandé hier au secrétaire général, c'est de voir s'il y avait une possibilité de la mettre sur un service où elle se plairait vraiment. Et surtout, ne plus avoir de relation avec du social. Parce que ça, elle aime pas et ça la mange, ça la mange. Et ça la mange tellement qu'elle se ferme comme une coquille. Et le problème, c'est que c'est nous qui en subissons les conséquences. Souviens-toi, l'hiver dernier, ça a été... c'était devenu infernal, l'hiver dernier. Et là, honnêtement, je repasserai pas 2 mois. Hein. Demain, moi, je lui demande ce qui se passe. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est mon nerf sciatique qui est à cause des nerfs et des contractures. Il y a il est coincé entre 2 vertèbres parce que les trous se sont rétrécis. Et donc, à cause de l'inflammation. Oui, voilà. Et donc, il m'a mis de l'anti-inflammatoire par voie locale directement. Et franchement, c'est le jour ouf, et la nuit. Ah ouais, c'est le jour et la nuit. Là, il n'y a pas de problème. Vraiment, j'ai plus mal. Service social, bonjour. On peut l'entrouver comme ça. Eh bien, écoute, je te rappellerai. Tu vas faire de la compta, donc. C'est pratiquement officiel. C'est officiel? Bah, Rachel est au courant et tout. Rachel est d'accord? Ouais. Elles accepteraient de redispatcher la compta sur le CCS? Bah, t'as entendu parler de ça? Bien sûr. Et donc, ça pourrait se faire à partir de quand? J'ai vu avec... Non, peut-être cet été. J'ai vu avec Rachel pour que je me sois au courant plus tard. Et puis comme ça, janvier 2002, je suis opérationnelle. Fini le social. Ouais. Dis-le. Ouais, fini le social.